Ça vous tente un moment détente avec nous? Alors, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner des nouvelles de bébé chat. Donc, mon chéri l'a ramené ce matin chez le vétérinaire pour voir s'il avait un tatouage. Bon, moi, j'en avais pas vu, mais plus précisément pour voir s'il y avait une puce. Et il n'en a pas. Voilà. Donc, mon chéri a laissé mes coordonnées. Et si jamais il y a quelqu'un qui recherche son chaton et qu'il correspond au signalement de bébé chat, et ben je devrais le rendre à ses propriétaires, voilà. Ouais, t'es bien sur mes épaules. Et si d'ici 8 jours il n'y a pas de nouvelles, nous pourrons officiellement l'adopter. Voilà. Que vous dire d'autre? Bon, a priori, ça serait pas une fugue du chaton parce qu'il est quand même très très calme, très docile. Il n'est pas explorateur. Voilà. Mais bon, on va quand même attendre 8 jours pour pas trop vite se réjouir, on va dire. Mais d'après la vétérinaire, ça serait plus oui un abandon de chat dans mon jardin qu'un chat qui s'est retrouvé là par hasard, quoi. Voilà, en plus de ça, il est a priori tout juste sevré. C'est encore un petit, hein, donc voilà. Et si jamais on peut le garder, parce que c'est un petit mâle, je ne sais pas si je l'avais précisé. En tout cas, pour le moment, nous on l'appelle bébé chamallow. Voilà, ce sera chamallow si jamais on peut le garder. Voilà, et là, bébé chamallow est dans les bras. Il ronronne. Il fait des câlinous. Tu t'en vas, ça y est? Tu vas te balader? À tout à l'heure, bébé chamallow. Hop là. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire parce que vous avez été nombreuses à me poser des questions par rapport à cette petite boule de poil qui a atterri dans mon jardin. Voilà. Bon, bah, comme je l'ai dit, hein, ne me remerciez pas beaucoup. Vous me dites merci d'avoir adopté, de l'avoir accueilli. Mais en fait, enfin voilà, c'est moi qui ai de la chance. Il est super gentil, il est calme, il est affectueux. Et puis voilà, c'est un cadeau. Je le prends comme un petit cadeau de la vie. Voilà. Voilà. Je sais pas comment vous dire. Et non, non, il n'est pas du tout question qu'on le laisse dehors, qu'on l'abandonne à notre tour. Je pourrais pas lui faire une chose pareille. Donc voilà. Si d'ici 8 jours, pas d'autres propriétaires, ben vous aurez peut-être l'occasion de le revoir, peut-être passer de temps en temps ou venir me kikiner pendant les vidéos. On verra bien. Voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'ai pas encore fait la vidéo. Comment ça s'appelle? Calendrier de l'Avent, parce que je ne savais pas si je vous parlais de bébé chat en même temps que la vidéo calendrier de l'Avent ou si je faisais une vidéo à côté. Voilà. De toute façon, pour vous, ça changera rien. Vous aurez toujours la vidéo ce soir, calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, j'ai reçu la Scrap Didi Box. Donc, c'est pareil, petite vidéo Scrap Didi Box dans la foulée. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye!